Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR. Comment ça va vous Ça va super bien et toi Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo du nouveau standard, du standard Boulmorant avec la rotation. Ça fait plaisir. Et on est sur du Golgari Land. On est toujours sur le compte. On enregistre cette vidéo quelques jours à l'avance. Sur le compte prêté par Wizard. C'est pour ça qu'il y a énormément de GM et de wildcard. Ce n'est pas à nous, mais c'est prêté par Wizard qui nous permet de tester en avant premier les cartes. Et merci beaucoup à eux. Ça fait plaisir. Ouais, merci euh, beaucoup. On a testé plusieurs decks. Si vous voulez aller voir, c'est dans la vidéo qui est sortie vendredi. Euh, c'est la rediff du stream, littéralement, où on joue tous les deux avec Val les decks sur le ladder. On en a testé cinq et ils sont délicieux, tous les cinq. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça si vous êtes curieux. Aujourd'hui, Golgari Land, BO1, parce il n'y bah, a pas de BO3 sur le stream d'AP et qu'en plus, le format est tout nouveau, donc on ne sait pas quoi mettre dans le side. Et on est sur un Golgari qui va essayer de sauto en gros, avec tortue florissante pour mettre des, euh, des landes du cimetière en jeu et profiter d'avoir plein de landes pour la carapace herbée féconde 4-6 portée pour 5 qui donne plus de plus de à tout notre board si on a au moins 10 terrains. Et son deuxième effet c'est que quand un truc qui a plus d'endurance que euh, d'attaque arrive sur le champ de bataille, enfin que de force, pardon, on regarde la carte du dessus, on la met en jeu si c'est un terrain engagé, sinon on la met dans notre main et du coup ça marche avec elle-même, avec le prêcheur du schisme et avec la fouette de vigne iridescent. Fouet de Vigne qui est un payoff aussi, puisque si on l'utilise en tour 1 ou en progéniture, il va mettre pas mal de dégâts vu qu'on va lander assez facilement tous les tours, voire plusieurs fois par tour avec la tortue ou la vigie, puisque quand on lande, on commet un crime, on regarde les 5 cartes du dessus, on peut mettre un land engagé sur le champ de bataille, ça retrigueur Fouet de Vigne, etc. Ça fait plaisir. C'est pas une combo, hein, c'est qu'une fois par tour avec la Vigie. Euh, et à côté de ça, bah, on a des anti avec droit à la gorge exterminée, une chauve-souris pour disrupte la main et prêcheur du schisme, qui est juste une bonne carte et qui marche avec la carte à, passer à passer. 28 landes, donc des petits landes utilitaires qui font plaisir, comme champ de démolition, port fontaine et la maisonnette. Et puis on est parti On est ouais, juste parti. Let's go On n'oublie pas le pouce bleu dans ses passions de confiance et de s'abonner. Et de remercier également les sponsors, Playing by Magic Bazaar. Code vingt 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous quand vous l'utilisez et ça nous soutient. Et n'hésitez pas à utiliser notre lien d'affiliation UltimateGuard, merci beaucoup à eux, parce que quand vous passez par ce lien pour faire vos achats Guard, ça nous soutient, notamment la nouvelle collection Bloomborough, ça fait plaisir, euh, c'est magnifique, mangez-en c'est voilà. ça. Et big up à la belle carte qui vous permet de gagner ce magnifique booster Bloomborough. C'est un play booster. Et pour ça, il vous suffit juste de partager dans l'espace commentaire un petit commentaire, le pouce bleu et l'abonnement. Et on tirera un commentaire au sort pour pouvoir remporter ce booster. Merci à tous d'avoir participé. Et vous pouvez nous rejoindre sur Vogue, l'application d'enchères en live avec le code La Belle Carte. Vous avez 10 euros sur, le premier, sur le, le premier achat. Et ça tombe bien, votre premier achat, vous pourriez peut-être le faire lors du stream exceptionnel qui arrivera dimanche un stream de cartes à l'unité. Pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Tu as tout on, est on est parti On euh, est parti. C'est une main interactive. Je pense que c'est OK. Ouais, c'est OK. L'idée, ça va vraiment être de prendre notre temps, essayer d'interagir avec l'adversaire, développer nos landes, et dès lors qu'on aura euh, nos tortues, on devrait pouvoir le faire crouler sous la value. C'est un deck d'ailleurs, oui. euh, on n'a pas euh, mis dedans. C'est un deck qui mériterait bien d'avoir une dans dans ce deck-là, ne serait-ce que parce que ça fonctionne avec à la fois le plan. Un peu de transition entre leur lead game et le late game, et à la fois parce que ça a une endurance supérieure à sa force. Ouais, carrément. Euh... Non, tu joues maisonnette et tu passes. Je pense que je joue maisonnette. Je réfléchissais au 3-3 pour 2, mais euh... il n'y en a pas. Enfin, à part le il n'y en a pas. Quoi. Et on va Excellent. exterminer ça. bam On vous paye. Sachant que champ de démolition, ça a commis un crime. Donc du coup, tu peux peut-être vigie ici, hein, Le te pas sous la menace. Ça commet un crime. Après, Prêcheur, c'est quand même pas mal. Hein. Ça permet de commencer à piocher de la carte. Ok. Tu vas piocher parce que t'as moins de PV, c'est ça Ouais. Ok. Ah non, je vais faire une 1-1. Eh ouais, du coup, du coup, je pense que je préfère Vigie. Ok. Euh... On va attaquer déjà. On ce qu'il propose. Il a l'air de jouer Mardu, notre adversaire. Il pourrait jouer Mardu Crime. Un espèce de switch entre les lézards et les chauves-souris. Ça pourrait être marrant. le vais faire Vigie, ce qui va me permettre euh, en faisant chauve-souris de trier l'effet. U Ok, il n'a pas du tout envie de voir ça. On aurait peut-être pu faire chauve-souris, garder droit à la gorge up et le tour d'après, si on trouvait un land, on pouvait faire euh, directement Vigie, droit à la gorge. Ouais, c'était peut-être mieux en fait. Ouais si je joue des bêtes. Je peux pas avoir le cimetière On est en stream d'AP, donc c'est-à-dire que là, les games qu'on fait sont contre d'autres créateurs de contenu qui eux aussi ont des comptes pour tout tester. Donc normalement on devrait tomber sur des decks un peu, un peu spicy. Ok, nice. Ok. Um... Bah là tu vas chauve-souris, drôle la gorge. Chauve-souris d'abord. Et je suis obligé d'enlever les éclairs je crois. Euh, ouais tu feras arc, tu feras droit à la gorge sur le arc ouais. Je ça. Pourquoi il joue le, le roi des tournesols là Ça fait quoi euh, S'il est derrière sur un point de vie, main euh, land ou quoi, ça le. ça le rééquilibre un peu. Du coup, est-ce qu'il fallait le mettre derrière en PV Ouais pour trigger. Bah, Il va juste gagner 4 PV quoi. Voilà, il peut gagner 4 PV, faire 2 jetons 1-1. Euh... Il ne peut pas piocher une carte et il ne peut pas faire de trésor. Ok. C'est quoi le sous-type de Beza C'est quoi son type C'est élémental et élan. D'accord, ok. On a 28 landes, ça serait bien de les trouver pour notre ami la carapace. Ouais, c'est hyper dommage là. Je crois que je peux casser ça et attaquer. Ouais mais le problème c'est que tu gères plus l'ange après. Gère plus l'ange. Je peux aussi attaquer avec tout, hein, juste. Il voit comment il bloque. C'est peut-être mieux hein, parce que l'ange il est méchant. Mmh. Il joue une espèce de mardu midrange avec les anges, avec la mouflette. Euh... La mouflette pardon. Un peu bizarre. Il va peut-être pouvoir bah, faire un okay. archange qui tue nos deux bêtes et nous on tue l'archange. Il reparaît qu'Élise ouais, voilà, d'Éclair. T'auras tué l'archange donc je pense c'était important de pas tuer l'autre. Ouais. Ouais, Elise d'Éclair ça tuera pas notre carapace dès lors qu'on trouvera le cinquième land. Donc en vrai on est ok. On a un grand pourcentage de chances de trouver le, le, le cinquième land ici. Oui, on joue 28 land. Ce euh, serait un peu abusé de ne pas le trouver. C'est un peu abusé. Le progénité. Hein ça, ça risque de lui faire, euh, lui faire quelques dégâts pour le coup. Et ça tourne bien autour de son anti J'aime mmh. bien. Elle est belle aussi, hein, la version euh, progéniture. Ouais. Et c'est marrant, on dirait pas un bébé. D'habitude les versions progéniture, on dirait des enfants. Lui, on dirait un peu un, un vieillard. <laughs> Parce qu'il a une espèce de colorite. Ouais, je pense, ouais. Ah, ah. Enfin, super. Trigger. En deux. Carapace féconde Une vigie, on prend hein une ouais. vigie exterminée. Ça commet un crime s'il nous donne une cible et Chandourine aussi. Ça commet des crimes donc euh, nice. Euh, il faudrait un land, mais ouais. Elle aurait pas pu être de 4 la vigie sans déconner de 4, c'est mieux. Bah ouais, c'était pas mal mieux. ouais ça Je comprends pas hein. moi ça, qu'il fasse pas des cartes pétées comme ça. Faites des de cartes moi. pétées. Oh, tu sais quoi, il aurait fait 3-4. Ouais, 3-4, c'est vrai. Mais 3-4, on aurait pas dit ah oh, c'est fumé, hein. on aurait juste dit ouais oh, ok, on joue. On joue. Il a pas, pas de souci. Ça joue. Ça joue comme disent les Suisses. Ah Je peux tuer mon carapace. Oh ça que ça, avec examiné, c'est pas mal. Écoute, euh, pour l'instant, je m'en fiche un peu de son truc, là. Ouais, je vais jouer ça. Double trigger. Ah non Une autre créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force. Ah bah oui, non, ça ne marche pas. Oui, parce qu'elle est 4-1. Parce qu'elle est 4-1. Putain, quel enfer. Quel il nous, il nous, enfer. nous tue. Et on n'a encore pas trouvé de land, d'ailleurs. Très content. Il bat notre plan de jeu. Et euh, lui, son play, c'est juste de jouer des... Des, des pâtés, midrange. Euh, C'est midrange, pardon. C'est une du... cohérence. Ouais. ah eh ouais, du coup, ça ça tue deux bêtes. Hein. Euh, ouais, ouais, Eh ben, bien joué, euh, Rap Solo MTG. C'est le pire adversaire qu'on puisse affronter. Très dur. Non, en vrai, on aurait pu faire une sortie euh, un peu meilleure. Ouais, on fait une sortie pas ouf. Et en jouant 28 ans, on fait une death, donc bon. sur la vie. Allez, partons. On peut plus rien faire là ah, je crois pas, regarde, regarde le, les stats de notre repos. Alors j'ai une 3-1. J'étais. Ça a l'air bien. Hein mais honnête. Deux points de dégâts. Bam, bam. Ah, C'est juste pour lui montrer que tu peux, mais. Regarde. Te... C'est quoi il te... il te met même Élise d'éclair face. Ah, bam, bam. 6. Six... Eh ouais, par... parfait. Hein Parfaitement de la merde. C'est la vie. Allez, relance. On, on est en BO1. De toute façon, on va pouvoir enchaîner deux, trois games. là. Oui, oui, oui. oui. Tu veux vrai mettre que, des Sholdred euh, dans notre deck ou pas euh, bah Je joue un deck avec euh, euh, Trigger Endurance. Euh, D'accord bah Je vais réduire ton Endurance à 1. Tu veux mettre des. Ah, il, il ah on ne touche il pas ici. Si, j'ai entendu, je ne veux pas mettre des Sholdred. On ne touche pas les Moi, deck je, pense, je pense, je pense qu'il faut mettre des Sholdred. C'est vachement bien. Ça remplit ta curve ça permet de diminuer un peu ton compte de land. Et ça te donne un, un play puissant en mid-game qui trigger ta tortue. Ça a trop bien. Qui bien ça Il y a un petit trou. Saurez-vous le repérer? Il y a un trou dans la curve. La Non, mais c'est ok, c'est ok. Ouais. Mais en vrai, je pense que tu fais pas fouet de vin. T'attends le tour 3. Hein. Genre, tu je fais, fais -tap, tape Ouais. Comme ça, t'as qu'un semi trou Le mini trou En fait, fouet de vin, dans le deck lézard, c'est un drop 1 agressif. Dans le deck land, c'est un drop 3 vénère. Let's go. Alors, les souris, c'est un peu agressif. Vite fait. Bon, les souris dans la vie, quoi. Ah Et puis, lui, il fait la vraie sortie. Hein. Oh On n'a jamais fait ça avec souris. Non. C'était pas dur à faire. Hein. Un drop 1, un drop 2. Mm. Après, t'as 8 interactions. Ça peut, oh peut défoncer son deck. C'est horrible, cet artwork. Ouais, il est horrible, ouais. Euh, C'est quoi qui est le mieux à lui enlever C'est l'interaction, hein. Ok, bon, on va passer à la 3. <laughs> Violent le deck de l'opo. La vache. C'est quelque chose, hein. Après, tu joues un deck 4 cut down, 4 euh, droits à la gorge. On peut juste le réduire à néant, son deck. On peut tuer ses euh, créatures, hein. tout à fait. Oh, la tartine qu'on va se prendre là après c'est beau hein. franchement euh... moi je suis content que l'opo il nous fasse ça hein. parce que là il lui donne la init il va le buffer avec ça c'est finito quoi je préfère largement ça que le deck mardu un peu, un peu moyen de, de l'adversaire d'avant bah j'aurais fait là dessus moi Allez, ah, bien joué, Freelancer. On a du coup le droit. Ah, super, on ah a oui, le droit à une autre données, game du coup. Ça lui donne plus un, plus un. Euh... Je peux fouet de vigne. Euh... Land. Ah, je crois pas que tu puisses stabiliser, ça me paraît compliqué. Ah, mais non, mais il va tuer ma bête avec ça. Trigger. Là, faut que je tue ça. Ouais, non, il tue ma bête, il lui met plus en plus zéro. Bien joué. On ouais, est je mort. Crois hein. que... On était échec et mat. mais Sholdred, tu vas voir. Je mets Sholdred maintenant, là Mais Sholdred, ouais. T'es caté. Ce deck, je me disais, putain, il manque un truc. Il y a un truc dans la curve, là. Il y a un petit trou. Et ben, le trou de la curve, c'est Sholdred. Voyons voir. Oh, elle n'y est pas sur ce compte. Elle n'existe plus. Avec deux Sholdred. Ensuite, on enlève une petite forêt. Ouais. Et quelle est la carte que tu veux le moins dans ton main deck, là Genre, exterminer, je pense Peut-être droit à la gorge, parce que là, droit, on est sur à la gorge, des ouais. trucs trop trop tribal agro, là. Ok, je fabrique. on va fabriquer. Et Voyons va voir. Les gens dans la description qui regardent le deck, ils disent Mais c'est pas le même deck Qui disent. Et non, il faudra de la vidéo pour comprendre c'est une deck surprise en même temps si tu viens que tu prends la decklist et que tu t'en vas eh ben tant pis eh ben tant pis tant pis pour toi d'ailleurs il n'y aura pas de deck dans la description parce que c'est sur les comptes streamers bah si je peux l'exporter le, si je sais pas Tu ça fonctionne bah oh, ouais ok bah faudra si. que tu me le copies et que tu me l'envoies du coup yes oh la mimite Oh oui, la danse. Elle fait sa petite danse du cucu, là. Ça me régale. J'avais. J'avais commencé à me fâcher. Et il joue Lizard. Euh... Lizard, on sait que c'est fort. Ça fait quoi, ça Ouais, ok, ça c'est un peu, un peu moyen. Je crois que c'est le gecko que tu dois enlever, non Ouais. Il développe plus que les autres. Heureusement qu'on est discard-proof, sinon j'aurais enlevé la discard. Un point. Pas de bloc. Propre, il a trouvé son land. Et il peut jouer un petit lézard. Franchement, les arts c'est trop fort. <laughs> lézard c'est bien, ouais. Les bêtes sont énormes et tout. Enfin... après, on joue 8 anti-bêtes, on peut tuer un, un Jeff, quoi. Ouais, euh, Prêcheur, ça va, euh, ça va lui faire C'est euh, sympa, quoi, pour bloquer un peu. Ça va un peu le faire chanter, normalement. Ça devrait. Mais ouais, les arts, c'est pas mal. Je sais pas s'il faut le jouer là, le psychagogue. Nous, dans notre version de les arts, on l'a pas. C'est de deux menaces. Que... Pas dégueu. Ouais mais dans ton plan de jeu agressif, tu sais, enfin euh, c'est encore une fois, c'est la place des drops 3, elle est chère quoi, il y a Jasper Silex. Ah c'est un drop 3 Ah oui, je, qu était, euh, de... je crois que c'était un drop 2. Euh, ça va être euh, vigie maisonnette, parce que tu peux pas curver ta tortue. J'attaque. Je crois que tu attaques qu'avec la chauve-souris. Hein. Ça me fait une bête lifelink là, si j'attaque. Ouais mais derrière, tu bloques mal. Hum, j'ai ça pour bloquer ça et j'ai là un lifelink qui bloque. Euh... Moi j'ai l'impression que si t'attaques pas avec Pressure, il a pas envie d'attaquer, non Peut-être pas. Vu que c'est pas notre plan, nous notre plan c'est de tenir. Ping Bah c'est que vous êtes relou quand même. C'est que vous êtes lourd là. Il a tous les étages bon. de la curve. Parfait. Et vas-y, que je te le bloque. Ah bah super Tu vas pouvoir jouer tes tortues décurvées. Superbe. Ok, ouais. Tu peux prendre... Ah bah Field of Rune, oh, ça, ça mange pas. Ouais, non, mieux. je préférais... Ouais, comme j'ai déjà champ de démolition euh, avant que bah, j'utilise C'est un, un effet crime de plus, mais... Hmm. C'est un peu mineur. Allez, gagnons un point de vie. C'est quoi les autres effets de la tortue euh, Quand j'attaque, ça fait le même, la même chose. Ouais, euh, okay. Les capacités un 1 coûtent un de moins. Et mes créatures terrain ont plus un, plus un. Pas mal, ce J, là, du dessus du deck. Ah, franchement, lui, il nous a vomi son deck à la tête. Hein. C'est une dinguerie. Hum. Hein. Mm. Je passe à 7. Relou. Hein. Ouais, derrière, t'as double bloc avec Carapace et, et Prêcheur. Tu préfères donner. Euh... Ok. Bah, je... Si je vais pas attaquer, c'est juste une 3-3. Donc... Il a pas mal de landes sur le dessus de son pack. Mm. Pas étonnant qu'il pioche des actifs quand il fait que meuler des landes, pour le coup. Ok, Carapace. Meilleur, un goût. je crois. Oh! Ah ben, Première interaction. Tiens, il y en a 7 dans le paquet. Enfin! Euh, faut tuer Jev. Euh, c'est Jev que tu dois tuer. Ouais, ouais. Allez, vas-y. Hein. tu Jev. Après, là, il va exiler. 4, donc. Euh... de Bruges. Mais Jasper, c'est délirant. Hein. Enfin, genre, vraiment, on mentionne pas, mais Jasper, c'est con. Jasper, c'est vraiment, vraiment fort. Hein. Ah! <laughs> il peut à Putain! <laughs> Et il a trouvé un lézard qui marche avec son plan de jeu, peut-être encore mieux. Aïe, il a, a, a joué au progéniture. Oh la vache. Bon oh, les lézards, ça va ou quoi Deck tech euh, raté. En fait, c'était lézard qu'il fallait jouer. Ouais, mais a... lézard, ils l'ont déjà vu dans la Et vidéo ouais. d'avant. On a déjà joué lézard, c'est pour ça qu'on vous a pas présenté. Mais le deck était effectivement très fort. Non mais je pense que notre deck, il peut aussi faire des trucs cool. Hein. Je veux mm. dire. Euh... Il peut. Tu... Tu joues juste une base, une base verte tortue et une base noire anti-bête. Genre, euh, je pense que contre les arts, on doit pouvoir s'en sortir. Et je suis mort. Ouais, échec et mat. Allez, on va, on va aller attraper un autre adversaire hein, qui nous dégueule moins son deck à la tête. Ah, espérons. Après, c'est vrai que là, c'est vénère. Avec, je, je te sens, tu crois plus dans le deck là. Ah, mais je, en fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a des decks, quand je vois la curve. Quand j'ai l'impression qu'il manque des cartes, qu'il n'y a pas assez de cartes dans le deck, c'est que ça va être de la merde. Et là j'avais l'impression. Bah. Là la curve elle est stylée en vrai. Hein. T'as 8 drop 1, 8 drop 2, 8 drop 3, 4 drop 4 et 4 drop 5. Alors, la sur... curve elle est, elle est... Elle est pop. Hein. Euh, T'as pas vraiment 8 drop 1 et 8 drop 2. Bah c'est. tu joues un deck midrange quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est pas mal hein. Bah ouais, c'est très bien même. Fouettevigne vigne, et en... mais lui en vrai, je me demande s'il faut pas tout le temps le progéniture dans notre deck. Bah, là, non, tu veux euh, pouvoir trigger marche. la vigie directement ouais. ouais, ok, ça marche okay. bien avec la vigie. Ça marche, ping, un point. Bon, parce qu'en vrai, la sortie du deck, Fouettevigne, vigne, vigie, euh, je commence à ramper tortue et compagnie. Enfin, ok, l'opo il nous a chier dessus tout à l'heure, mais je suis pas sûr que ça soit giga représentatif des matchups de notre deck. Hein. Allez hop, je tue tout de suite. J'ai pas le temps. Oh bah il faut, il faut de toute façon, ouais. Lando. Allez. Vigie la maintenant. Et tour d'après, on va pouvoir faire Vigie, land, double trigger. Tu prends un point et on va mettre deux landes en jeu et c'est bien. Bah oui, c'est bien. Là, c'est bien. Là, je suis content. Ne lis pas la Vigie. Non, lit une pas. Souris. Ne lis pas. Vas-y, oui, voilà. Joue des souris. Vigie, land Hop, je cible, je trigger Trigger, trigger Je viens un champ de démolition, trigger je Un mana noir mets... euh, Land, land, land Sinon t'as pas le mana dégagé Mais ça arrive Ça arrive, dégager ça arrive tap Ouais ça arrive tap Ah ça arrive tap ouais, okay. ouais. Bon, bon. Alors les souris Je m'en fous. Ah, je crois que c'était pas la vigie qu'il fallait attraper, mon gars. Ah, attention, le petit bébé. Incroyable. Non, ah, il se donne tous les deux double initiative, trop mignon. Mais on va juste les tuer, c'est pas grave. Ouais, ouais, tu développes raid comme euh, comme un, un méchant type. Ouais, je veux trigger ça aussi. Land Pan Land. PAN J'attaque. Sholdred. C'est vrai tu que le petit deux... même pas donné 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. ouais. Tu vois, là, on n'a pas fait grand chose et ça, ça, et ça déboîte. Hein. Je pense que là, euh, Ragdos, euh, Lézard, il n'aurait pas fait le fierro face à notre sortie. Après, je crois qu'il a joué trois cartes aussi en face. Bah, ouais, mais on est au tour 4, c'est normal. Il a joué trois cartes, il a fait bête, t'as fait anti-bête. Euh, après, il a fait bête, bête, t'as fait anti-bête. Euh... Ouais, c'est vrai. Mais il n'a pas fait la sortie du souris de tout à l'heure. Non, mais j'ai l'impression que tu étais capable de te battre contre à peu près toutes les sorties en fait. Dès lors que tu trouves tes interactions noires, euh... mmh. ah, en fait, as un plan contrôle d'early game et, et un plan lente de late game qui me semble pas être trop trop faible face au deck tribo, quoi. Je gagne deux points de vie. Je peux y casser un truc pour trigger. Vas-y bon, hein, tu peux, tu peux en tout fait, à fait. Je avec tout. Ouais, osef. Bah, je peux le faire en réponse. Ah, ça, c'est dommage. Bon, dans tous les cas, il aurait pu la jouer. Bon. Ah, mais du coup, on donne notre fouette vigne, là. Pourquoi on a attaqué avec lui Bah, je pensais avoir l'étale. Je m'attendais pas à une interaction, une deuxième de la souris. Je vais t'y casser le. Ah, Comment oui. C'est dommage parce que ça, était... on était sûr de le tuer, quoi. Ah, prends la maison, je pense. Maison, ouais, c'est bien. On fait deux triggers en plus, c'est cool. Je vais chercher. Je trouve. Trigger. Et un point de vie, créer un. Sacrifier un jeton. Ça, quand t'as plein de landes, c'est pas mal. C'est un truc qui s'auto, qui s'auto entretient. Ouais. Je peux sacrifier les jetons qui fait lui aussi. Les jetons de progéniture. Pas mal. Ouais, c'est bien Port Fontaine. C'est une carte descente dans un plan lande, quoi. Le Port Fontaine, le prof. Souris bon, de Je crois, crois qu'on va pas perdre cette game, mais si on la perdait, j'aurais été déçu. Uh. Et il revient bien là. Hein ouais, sur ce, fort, ça, hein. Sur ce non létal. Après, souris, pour ouais. le coup, on a vu la décliste, hein, ça joue euh, 3 frénésies, il y en a eu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, avec la tortue, c'est pas mal. Est-ce que j'attaque avec tout Si avec tout, il bloque fort euh, Value, la Vigie. Je peux attaquer avec mes honnêtes et Prêcheur. Tu peux attaquer avec mes honnêtes et Prêcheur, ouais. Faut un peu... En fait, faut... s'il continue à trigger Valmoustache, Val on va perdre. Exiler euh, ça, ça va trigger la Vigie. En plus, c'est cool. Je enlève ça. Tiens, méchant. Notre maisonnette, ok cas où il trade. Ah, j'ai plein de maisonnettes. Ah, mais tant mieux, ça va le mettre sous pression. Et nous, en plus, tu continues à générer des foods, ce qui fait que qu'il va avoir du mal à te, à te finir. Double bloc, ça me va très bien. Ouais, C'est dommage d'enlever euh, les souris qui permettent de trigger. Ouais, je pense qu'il faut qu'il donne celle-là plutôt. What? Je ferai pas de double bloc, mais vas-y, fine, il fait ce qu'il veut. Ouais. Mais. Ouais, ok. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais why not? J'en fous une petite. Vas-y, vas-y. Fin de tour, on va pouvoir faire un poisson. C'est marrant qu'une fontaine crée un poisson. Ah, bah, ils sont dedans. Hein. C'est bien joué, ça. C'est très bien joué. Ouais, s'ils pouvaient fail un peu, ce serait pas si mal. Sur cinq cartes, c'est un peu dur de fail. Ouais. Ouais. Ça sent pas bon, cette histoire. Ah, on l'a on lui a donné Peut-être, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. oui. Oui, gourmand d'attaquer, lui. Hein. Je vais... Oh, je peux sacrifier ça pour piocher. Qu'est-ce qu'on préfère faire, là Je pense que tu préfères faire un poisson et t'attaquer avec tout, non Je fais un poisson. Truc il est, est à que... deux, le type. Il a trois bloqueurs, il a encore une carte en main. Euh... Moi je ferai un poisson, je je poisson et je, je bloque ferai pas. un poisson et je verrai. Mais au, pire, tu... au pire tu piocheras le tour d'après ouais. Et ouais poisson et je bloque pas ouais. Je comprends 8 hein. bah ouais bien sûr. Mais toi sur le comeback là tu t'es pas capable de lui mettre un, un moulon. Il bloque il bloque il bloque. Pour moi on le met à 1 Pourtant, on le met à 1. Il nous manque combien de mana pour pouvoir attaquer euh, ah, peut... Il nous en manque trop. 1, le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu le mets à 1, mais il doit tout bloquer, c'est ça euh, Il doit tout bloquer, mais genre, il tue ça. Il chump, chump, il laisse passer ça. Euh, du coup, il chump, attaque. Chump. Il peut trigger. C'est pas sûr qu'on soit mort derrière. Je, la, je, je, je crois que tu dois pas attaquer avec ton. En fait, si tu le passes à 1, t'attaques pas avec le A1. T'attaques juste avec double maisonnette et tu restes en bloc, non Ah non, t'es obligé d'attaquer avec double maisonnette et vigie. Ouais, je peux garder mon poisson en bloc puisque je le tue pas. Ouais, mais tu peux même garder ta vigie, je crois, en bloc en fait. Je réfléchis là. Parce que tu sais que vigie, forcément, il va la manger. Donc tu peux juste double maisonnette. Et en plus de ça, bah, tu pourras lander pour gagner, euh, pour gagner des pèves. Je peux attaquer avec les deux, effectivement. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, du coup, c'était pas très bien le poisson. Je me suis, euh, je me suis loupé. Je pensais que ça m'était létal d'avoir euh, un de plus. Bon, on s'est rendu une game très facile, un peu complexe, mais ouais. du coup, on va essayer de. Ben, en vrai, c'est interaction et qui trigger prouesse. J'avais pas capté, quoi. On tu tué deux bêtes. On peut, mettre ça. on peut regagner trois points de vie, donc là je suis frais. Ouais. Oui et puis au bout d'un moment il va pas pouvoir bloquer tous tes assauts de, de terrain quoi. Ouais, bah surtout qu'avec la vigie euh, on n'est pas loin de pouvoir. Euh... Putain, oh. est super bon par contre. Est-ce qu'on est mort là Ça dépend de sa dernière carte. Euh, ben, bah on est mort. Il fallait que c'est... Ouais, il fallait que ça soit exactement ça Je crois qu'on est mort, parce que là, c'est un blocable. On va prendre 10. Ah, non, peut-être pas. Il donne double strike. Ça dépend ce qu'il trouve avec ça. C'est ouf, hein. Franchement, il a la main parfaite, mais bon, en même temps, on peut pas se plaindre, on l'a lui a ouais, donné. On fait, mais... erreur, on fait une erreur, c'est sûr. Mais... Mais ce qu'il fait, c'est très très fort derrière. Mmh. Avec pas grand-chose, Y. Il... Enfin, pas grand-chose. C'est des séquences ouais. quand même très particulières, mais ça lui permet de... Il a fail to find, je crois. Ouais. Du coup, tu peux chumper la 4-5, gagner 3 PEV. Je peux okay. pas chumper, c'est piétinement. C'est piétinement aussi la 4-5 okay. mmh. Et du coup, tu peux donner 10, juste poisson et tu prends... 17 et 3. Et tu, tu passes à 1. Ouais. Oh, et et maintenant, de la merde. Si, maintenant, si tu landes, est-ce que tu peux attaquer avec 3 6, 6, 8, 9, 10, euh, 11... et eh, non, non, il faut, faut 12. Voilà. Il faut okay. 12 ouais. malheureusement. Tu peux quand même attaquer avec 2. Encore une fois, tu peux refaire la séquence où tu attaques avec 2 et il est obligé de te donner la souris qui lui permet de trigger. Ouais. Et derrière toi, avec tes fous d'état 3-3, tu peux peut-être survivre Pas certain. Non. Pas certain. Oh, putain. Je peux sacrifier un jeton, suis une carte. Si on trouve le fouet de vigne, on a gagné. Si tu trouves le fouet de vigne, tu gagné hmm. Je crois que c'est mieux que d'attaquer là. Il n'y a aucun monde où on gagne en attaquant Ok. Bah lui, il peut bloquer. On le tue pas derrière on est mort. Oh, ah, on ouais, était il est forcément mort sur le comeback. Ok. Je peux Ça peut peut nous aider ça. Je peux tuer ça. Et là, t'es vivant. Il faut que tu gardes, gardes ton trigger. passage merveilleux pour Fouet de Vigne. Ouais. Ah, rien. Il n'y a plus trop de lande de toute façon là. C'est clair. Je peux animer un, une maisonnette, 1, 2, 3, 4. Ah, je peux pas animer... Non, il faut que je lande. Pour animer et gagner 3 PV. Et si jamais tu landes, du attends, coup tu, attends, tu attends, top du deck plus sur Fouet de Vigne. Ah non, j'ai pas besoin de lander. Si, parce qu'avec ça, euh, je trigger goucher euh, Ouais, bah alors du coup... Euh... J'ai pas besoin de lander du coup. Tu voulais pas l'animer pour attaquer J'ai pas compris alors le, le non. Animer pour bloquer. D'accord. Après là euh, piétinement euh, double strike. Euh, Je vois pas trop comment on survit mais ah bah ben oui puisqu'il redonne double strike avec sa progéniture en fait de toute façon. Ouais. Wow. Il a alors, enchaîné les aussi... draws euh, phénoménal là quand même. Est oh, il est trop mimo. Ah, on pouvait prendre une victoire avec notre petit deck land là. Ouais, dommage. Bon bah ça sera un autre, hein, c'est pas grave. Ouais je crois qu'il nous tue, hein. C'est Vu qu'il peut redonner Double Strike, c'est mort. Faut qu'il compte bien. Ah pas l'air trop dur de compter, mais. Ah, tout à l'heure, ils oh, sont il horribles, on a gagné. Hein. Euh... Ouais, c'est vrai, ouais. Il est horrible son avatar. Cette petite chauve-souris. Ouais, mais on dirait, un, on dirait un bonhomme avec un grand front. <laughs> euh, oui. La solution. Lui, j'aime bien il joue une version de souris plus proche de celle qu'on a jouée. Il joue pas les, euh, les buffs en fait. Mm. Il joue juste aux oh. souris quoi. Voilà. Il a pas compté Hop. Je vais triple bloc même. Faut que tu triple bloc, ouais. Attends, mais... Euh... J'ai pas compris. Et je, pieu... je gagne trop peu ou pas Ou je le garde pour piocher une carte Garde-le pour piocher une carte, ouais. Et là, il trouve un lézard qui nous ping de Mais Franchement, il mérite. il mérite hein. Si on la gagne, c'est ouf. Après, il a Mais fait là, un enchaînement de cartes actives très puissantes aussi. Hein. Au-delà d'avoir fait une erreur à un moment donné. Oui, bien sûr. Mais justement, je... si, on, si on la gagne, c'est dingue. Hein. Parce que là, on est vraiment dans la sauce. De fou. Ça ne suffit pas. Non, mais tu peux piocher une carte de plus pour aller chercher notre ami le lézard. Euh. Ouais. ouais, ouais. En même temps, je joue 2000 landes Et on n'aura pas notre ami le lézard. Bien joué. Ah, oh, dommage. Putain, il est trop bien, le deck souris, hein, quand ça fait ça. Hein. C'est ouais, ouais. ressourceux, c'est dur à. Ouais, même après, quand, tu, là, euh... quand tu pioches un land sur ta séquence malheureusement ça fait pas ça quoi C'était un peu chaud dire bah, il ah, a oui, pioché oui, que oui. des cartes actives donc si jamais il y a un tour il avait briques je pense qu'on non On mais bien, se bien se sûr mais, mais temps, je veux dire quoi. ces cartes actives elles rebuildent automatiquement un truc un peu vénère en fait du fait qu'il est progéniture et compagnie ouais progéniture et... vol moustache tout ça ça ah t'as quand même rendu l'homme et oh, ben bah, écoutez pour cette première vidéo c'est un full défaite euh, comme diraient euh, les commentaires, euh, comme d'habitude, ils savent pas gagner une game. Mais comme diront les vrais, euh, c'est faux. Mais non, les gens disent pas ça. C'est faux, c'est faux. Euh, Golgari Land, et eh ben dommage, 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 parce qu'il y avait une propal sympa, on aurait pu gagner la dernière, S'il n'y euh, si avait pas eu la petite bévue, mais euh, mais malheureusement c'était fatal. Je pense que c'est pas si mal comme euh, comme paquet en vrai. Ouais, vigie c'était impressionnant euh, quand ça tournait un peu. C'est une, une, une gueule de vrai deck en fait, dès, ouais. euh, dès les AP. Après, voilà, là, il se trouve que nos scénarios nous ont pas, nous ont pas trop aidé mais ouais. ça mérite un peu plus de, de s'y pencher, je trouve. Bah ouais, ouais. Peut-être, euh, je sais pas si le, le plan Carapace RB est, est très intéressant au final. Ouais, franchement, on joue le deck pour ça. Hein. Sinon, sinon, on joue pas ce deck, je pense. Bah, je sais pas, tu peux avoir des, euh, des payoffs plus. Euh, enfin, qui te demandent pas d'avoir Dealand. Ouais, mais c'est ce qui fait, enfin, comment dire, ce qui fait que tu joues la tortue florissante, la Vigiliberatos et le fouet de vigne à la base, tu vois. Ouais. C'est justement ces trois cartes-là qui jouent dans ce, qui sont jouées dans ce deck-là pour la carapace herbée et pour que tout ce beau monde entre guillemets, fonctionne les uns avec les autres, mm. S'il s'agit de ramper entre guillemets, euh, dans d'autres payoffs, on jouera d'autres stratégies, je pense. Ouais, effectivement. Bon, on verra de toute façon ce que le standard nous réserve avec les premiers résultats de tournoi, etc. On vous fera évidemment des decks tech en fonction du méta. Bien euh, sûr. Attendez, avant de crafter, on vous a fait une vidéo Rotation Proof exprès pour ça. Pour que vous puissiez crafter ouais. des decks euh, safe avant que Bloomborough arrive. Qui arrive du coup, je suppose, mardi, donc le demain pour vous, euh, sur, sur Arena. Et vendredi, disponible partout, évidemment. On vous laisse, on vous fait des bisous. Euh, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao, tout, Ciao tout le monde! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.